Salut les gamers, ici Zaytekajou. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sanolo59 Salut. et de Sonix Beta. Salut. Donc, vous pouvez remarquer, comme le titre l'annonce, je vous présente cette map Mon Fallen Kingdom que j'ai construite, que j'espère tourner avec eux. Ben, normalement, Beta il vient et Sanolo aussi. Séparé en trois équipes, équipe des bleus, équipe des noirs, équipe des verts. Donc, voilà. Donc les mines sont déjà faites, mais par contre je ne connais pas les mines, vu que c'est un autre joueur qui l'a faite, qui les a faites. Donc on va vous présenter les différentes bases. Donc Beta et Sanolo, suivez-moi. Donc il y a la base des Noirs qui se situe dans le désert, dans le biome désert. Si vous pouvez me suivre les gars, s'il vous plaît. Qui est tout à fait ici. Voilà. Ah par contre... Le mec qui a fait les mines n'a même pas rebouché là, ça va pas le Zytek, faire. Ouais. servent à quoi les pistons là? Les pistons, Pourquoi en j'entends un fait. truc mais je vois pas bouger? En fait, donc là je fais un peu découvrir les mines. De Ah, c'est toute là-dedans! façon, je serai pas de ce côté-là. On va reboucher, parce que ça le fait pas. Voilà. Donc ici, c'est les cornes des noirs qui mettront la couleur de leur drapeau ici, qui feront leur base ici. Donc comme d'habitude, les objectifs sont toujours muraille de 5 d'auteur, se faire 5 TNT, ramener une langue de ghast, faire un... On pourrait faire quoi aussi? Bon, au pire, on rajoutera ça au fil de la série. On va vous montrer aussi le camp des verts qui se situe dans le biome forêt, ici. Voilà. Qu'on a été assez en galère parce qu'on avait beaucoup de trois rebouchés de niveau de ce côté-là parce qu'il y avait ben ici quoi, il y avait de l'eau. Et il y a aussi ben, dans le biome marécage l'équipe des noirs je crois. Non, l'équipe des bleus. Ici. Et voilà, donc qui n'est toujours pas rebouché aussi, que je vais reboucher l'instant après. Donc le Fallen Kingdom sera tourné vers quand à peu près les gars? Vous pouvez me dire une date vu que vous Cette partez en année-là, vacances? Parce que moi je cette saurais année pas ou donner de date précise en fait. Bah qui sera peut-être tourné peut-être par chance aujourd'hui, hein, si les joueurs ouais, se ça se connectent. trouve. Bah, il sera upload demain après-demain, peut-être. Ouais, bah oui, bah de toute façon, ne laissez pas de commentaires vu qu'on va tout tourner en même temps. Donc on aura déjà tout terminé tandis que l'épisode 1 ne sera toujours pas posté. Donc voilà, donc sinon, bah c'est tout ce que je peux dire. Hein. Si vous avez un petit truc à dire. Ah oui, la map sera disponible de téléchargement à la fin du Fallen Kingdoms. Bien sûr, je vais faire une copie pour pouvoir la mettre sur Internet. Je mettrai le lien dans la description du dernier épisode. Donc par contre, vous avez vu que c'est séparé en trois équipes. Donc voilà, donc des équipes. En fait, il va y avoir trois équipes de deux. Et quand une équipe est morte, ben on divise les joueurs en deux. Donc admettons l'équipe marécage, ben, l'équipe des bleus n'existe plus. En gros, il va y avoir un joueur dans l'équipe du désert et un joueur dans l'équipe de la forêt. Donc voilà. Sanolo, qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc normalement, je vais dire la liste des joueurs. Donc il y a moi qui jouerai. Donc normalement, dans l'équipe des bleus ou des verts, je ne sais pas encore. Il y a Sonix Beta qui est dans la vidéo là. Il y a Sanolo59. Il y a normalement Sonix Alpha. Peut-être Wallcraft 54 et Ouais. Nicoloplo 08. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc les gamers, à toutes et à tous, c'est une courte vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde.